La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Voici enfin pour nous la grande annonce de ce programme annuel que nous avons et que nous connaissons, Hanouka, qui pour cette édition est Hanouka 2024, qui aura pour thème cette année « Que la lumière soit ». Telles sont les premières paroles de l'Éternel, le premier souffle articulé de la bouche de Elohim qui s'adressait à un monde informe et vide et rempli de ténèbres, que la lumière soit. Et en cette année qui s'annonce pour les fils d'Issacar qui le savent, une année difficile durant laquelle les ténèbres vont devenir de plus en plus épaisses dans les familles, dans les églises, même dans la société, Dieu décide de libérer une quantité de lumière particulière, qui veut dire beaucoup de choses évidemment, mais vous êtes la lumière du monde. Et nous serons là du mercredi 31 janvier au dimanche 10 mars, tous les jours, avec 4 sessions. Nous aurons la guerre de minuit qui débute de minuit à 1h du matin. Nous aurons l'école des esprits pour cette année de 6h à 7h. De midi à 13h30, nous aurons la guerre de midi. Et le soir, nous aurons la grande plénière de 16h à 20h avec les orateurs principaux. Évidemment, je ne serai pas le seul orateur. Seulement depuis l'année passée, à la deuxième moitié de l'année, le Saint-Esprit m'a dit « Il ne faut pas qu'Hanouka soit une convention durant laquelle nous avons un défilé des orateurs qui viennent prêcher la parole et ayant les projecteurs sur eux. » Hanouka est d'abord et avant tout une retraite de prière. Nous venons nous attendre à Dieu et non à un orateur particulier. Certes, il est vrai que 2-3 jours avant, nous aurons le nom de l'orateur, mais nous voulons vraiment nous consacrer durant cette Hanouka pour plus être concentrés sur Dieu que sur les instruments comme moi qui l'utilise. Ainsi, nous serons là tous les jours, à jeun et en prière. Et exceptionnellement pour les femmes qui sont enceintes ou pour ceux qui sont sous traitement médicaux, nous serons exemptés de jeûner, mais nous pourrons être là à toutes les sessions de prière. Hanouka sera bien évidemment en présentiel à l'église Port des Cieux, limitée 10e rue, numéro 5, côté industriel. Et bien évidemment, nous serons aussi sur toutes nos plateformes. Nous serons sur Canal TNT Power Channel. Nous serons sur notre page Facebook Prophète Joël Francis Tatou. Et nous serons aussi sur notre chaîne YouTube Joël Francis Tatou TV à toutes les sessions. Et je vous invite de ne pas manquer en présentiel, mais aussi en ligne. Pour cette année, nous avons aussi ouvert grandement nos portes pour tous ceux qui seront des visiteurs qui viendront hors de la République démocratique du Congo. Le programme des visiteurs internationaux est ouvert du premier au dernier jour. Seulement, nous avons prévu un temps spécifique avec un programme bien garni pour vous du jeudi 7 au dimanche 10, la dernière semaine de ce grand programme. Le Saint-Esprit a décidé de nous parler cette année, de vous donner des orientations claires sur votre vie et votre ministère. Et c'est dans une atmosphère prophétique et sous un ciel ouvert que nous passerons cette Hanouka. J'ai hâte de vous y retrouver. Que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus à la belle capitale de la République démocratique du Congo, la capitale mondiale de la francophonie, Kinshasa. Soyez les bienvenus et on se retrouve le 31 à Kinshasa pour le début du lancement de Hanouka 2024. Shalom.